Un après-midi de l'an 2002, j'ai découvert le monde 13h36. D'après ma daronne, on oublie les secondes. Mon père n'a pas pu être présent le jour de ma naissance. Malgré ça, c'est très loin d'être un personnage immonde. On n'a pas partagé beaucoup de souvenirs quand j'étais petit. On n'a pas partagé beaucoup de souvenirs quand j'étais petit. Parfois j'ai doute même qu'il ait pensé à me donner la tétine. Parfois j'ai doute même qu'il ait pensé à me donner la tétine. Il a fallu qu'on déménage pour qu'on se voit plus souvent. Entre temps j'avais plus de l'âge, je n'étais plus une enfant. Il dénigrait ma façon de me saper. Il avait un style particulier que je devais respecter. Tellement de remords, je peux m'en rappeler. Il se disait sûrement que tu serais quelqu'un de parfait. J'essaye la prière par défaut, plus je priais, plus ça s'empirait. Priais par défaut, espérant que je m'en sortirais. Je criais à Dieu pendant des heures et des heures. Le Saint-Esprit a bien choisi ses mots. Parce qu'avant, il répétait souvent que j'étais mal élevé. Parce qu'avant, il répétait que j'étais pas la fille qu'il rêvait d'avoir. Dieu m'a permis de digérer tout ce qu'il m'a révélé. Il m'a tellement peiné, il me sentait mal élevé. Et en plus, il y en avait des jours où j'en perdais l'appétit. Et en plus, il y en avait des jours où je perdais l'appétit. Seul dans ma peine, pour consoler, il n'y avait que le Saint-Esprit. Seul dans ma peine.